James Langlois, l'idéologie du genre qui est de plus en plus présente dans nos écoles a fait beaucoup de remous cette semaine, aussi bien à Ottawa qu'à Québec. Le ministre de l'Éducation du Québec, Bernard Drainville, a proposé de mettre sur pied un comité d'experts pour réfléchir à ces questions-là, alors que le Paul Saint-Pierre Plamondon, pardon, le chef du Parti québécois, j'allais dire le Bloc québécois, je me suis trompé, Deux combats différents. deux combats Semblables. différents mais semblables, exactement. Lui, en fait, préférait un véritable débat public à la Chambre des communes. Est-ce qu'il faut vraiment débattre publiquement de cet enjeu-là ou laisser les experts nous dire quoi faire, quoi penser? Bien, je dirais un peu les deux, mais pour des raisons différentes. D'abord, entre experts, parce que au-delà de la question de l'inclusion puis du respect des personnes, les spécialistes médicaux, d'une part, doivent vraiment examiner sérieusement les effets des opérations de transition à long terme. Et d'autre part, toujours entre experts, là, ils devraient vraiment avoir une discussion sérieuse, philosophique et scientifique, surtout appuyée sur les sciences sociales, sur la genèse de cette vision de l'être humain. Je parle aussi de la théorie de genre, de ses impacts sur la société et de la manière dont elle est véhiculée dans le discours public et dans les institutions. Parce que, comme je le disais, avant de s'imposer de manière politique, voire militante, là, comme une idéologie, la question de genre, c'est une théorie qui peut et qui doit être débattue. Tu dis que c'est une théorie qui peut et doit être débattue, mais j'écoutais les manifestants à Ottawa des deux côtés, autant ceux qui étaient pro-LGBTQ, ceux qui l'étaient plutôt contre. Les deux accusent mutuellement chaque parti d'être dans le discours de haine et d'intolérance, d'être violent, soit en voulant imposer cette idéologie-là aux enfants, soit au contraire en disant que toute remise en cause de ces idées-là serait un discours haineux. Est-ce qu'un dialogue est réellement possible? Je pense que c'est pas impossible, mais ça demeure un défi de taille parce que on l'a vu dans les récentes manifestations, là, on se retrouve toujours entre deux camps qui sont dans un dialogue de sourds puis qui se crient après. Moi, ça me renverse à chaque fois de voir des gens qui se parlent pas mais qui font juste se crier des insultes, là. Mais je comprends les citoyens d'une part, notamment des parents, là, qui s'inquiètent de voir cette théorie-là s'imposer de manière idéologique, mais on doit toujours se rappeler que derrière les idées et les mots, il y a des personnes qui souffrent, qui ont souffert puis qui vont continuer de souffrir. Donc, quand on parle d'identité, de sexualité, ce sont des sujets qui touchent vraiment à notre intimité profonde. Puis, c'est la raison pour laquelle c'est ardu d'aborder ces sujets-là complexes et délicats d'une manière pacifiée, parce que forcément, il y a des personnes qui se sentent menacées ou attaquées quand on Des aborde deux ces sujets. côtés, en fait. Oui, des deux côtés. Mais je dis pas qu'il n'y a pas de haine, d'ailleurs, chez les opposants, en fait, des deux côtés, mais c'est faux, par exemple, de penser que les gens qui critiquent ou questionnent la notion de genre haïssent ou ne veulent pas le bien des personnes trans. Parce qu'il ne s'agit pas de remettre en question les expériences troublantes de certaines personnes dans leur corps ou dans leur vie sociale, mais bien de voir si la transaffirmation ou les opérations transaffirmatives sont réellement les bonnes manières d'accompagner ces personnes aux prises avec des dysphories. Si on est un parent chrétien, là, puis on s'inquiète que cette idéologie-là soit de plus en plus présente à l'école, auprès de mes enfants, de mon enfant, c'est quoi selon toi la bonne réaction? Est-ce que c'est d'être dans le combat, d'être dans la résignation, de, je sais pas, se replier dans la sphère privée? Bien, je pense qu'il y a un premier danger, c'est toujours de réagir à l'idéologie par l'idéologie. Donc, de se braquer puis de vouloir un peu jouer le même rôle, c'est-à-dire, il y a une idéologie qu'on cherche à imposer, bien nous, à l'inverse, on va réagir en voulant imposer notre manière de voir les choses. Donc, c'est vraiment une question de liberté, au fond, de s'assurer que les droits des personnes, autant celui des parents que celui des personnes trans qui veulent être légitimement protégés ou accompagnés dans leur souffrance, que ces droits-là, évidemment, qui là, en ce moment, semblent rentrer en confrontation, mais puissent être écoutés et entendus. Puis les deux camps, là, doivent sortir de leur jugement péremptoire, ils doivent réapprendre à dialoguer de manière pacifiée, puis éviter les réactions émotives, là, qui partent en vrille. Puis on l'a vu avec l'histoire de la toilette au Témiscamingue, là, finalement, qui a tout de suite été interprétée comme une tentative d'inclusion pour les trans, mais finalement, qui était une question de sécurité pour tous les élèves, là, dans l'école. Une tempête dans une cuvette. Ah oui, absolument. Antoine, enfin, je t'ai vu réagir tout à l'heure. Ouais, j'ai bougé mon crayon comme ça. Ça part en vrille. Non, mais je pensais au. Un des enjeux, tu parlais des parents. Ce qui préoccupe beaucoup de parents, c'est le fait que il y ait des jeunes qui désirent avoir une autre identité à l'école qu'à la maison sans que les parents soient informés. Ça inquiète, je pense, ça inquiète beaucoup de monde. C'est peut-être même presque au cœur là, des affrontements que dans les manifestations. Premier point. Deuxième point, dans l'ordre ou les ordres, là, tu réagiras comme tu veux, James, mais
Cet enjeu-là vient démontrer de manière formidable que parfois les minorités entrent en compétition. Il y a une espèce de. On le voyait bien dans les images des manifestations, il y avait des minorités religieuses, notamment musulmanes, qui manifestaient contre le mouvement LGBT et le mouvement LGBT. Alors, on a finalement deux clientèles de la gauche politique qui se retrouvent en affrontement assez violent, même parfois. Ça donne quelque chose de politiquement. En tout cas, moi, j'observe ça attentivement, j'ai hâte de voir quelle barre ça va prendre, là, cette histoire-là. Oui, puis malheureusement, en tout cas, les médias ici au Québec tendent, comme toujours, à faire paraître le camp opposé, c'est-à-dire le camp qui a manifesté. Donc, comme un ramassis de croyants d'extrême droite, de camionneurs qui étaient conspirent. Donc, tu sais, faut faire attention à ces amalgames-là. Ça aide pas du tout, justement, à entrer dans un dialogue, là, des gens en partant. J'ai lu sur Internet que c'est probablement la manifestation la plus importante sur la colline parlementaire à Ottawa cette année. Donc, c'est quand même pas un petit mouvement, surtout qu'en plus, il y a eu plusieurs autres manifestations dans différentes villes canadiennes. Ariane, quel regard tu jettes sur ce Moi, mouvement-là en ce moment? je comprends qu'il puisse y avoir une colère des parents. Surtout au Québec, quand on regarde dans les documents gouvernementaux du ministère de l'Éducation, qui sont préparés en concertation avec différentes tables et avec différents experts, et où le parent s'est toujours indiqué, bon, bah, il faut travailler avec lui jusqu'à ce que l'enfant ait 14 ans. Et après, les parents disparaissent, en fait. Et la seule chose qui est dit dans ces documents-là, c'est, bah, il faut les sensibiliser, il faut les éduquer, les parents, et c'est tout, en fait. Alors qu'on Il n'y a sait pas très de bien. débat en réalité. Non, c'est vraiment. On part un peu du principe, sans que ce soit dit de façon explicite, que les parents, c'est un peu les ennemis, en fait. Et que pour protéger, bah, il faut vraiment prendre les jeunes à part. Puis comme si aussi les éducateurs qui étaient proches de ces jeunes allaient mieux savoir et mieux accompagner que les parents. C'est très problématique parce qu'on sait que bah, les jeunes, il leur faut une dizaine d'années là, pour atteindre l'âge adulte. Et il se passe beaucoup de temps entre 12 et 22 ans, ou 14 et 24 ans, beaucoup d'expériences différentes. Et on a besoin encore du soutien de ses parents pour passer au travers de tout ça. Donc je comprends la colère, elle est probablement mal canalisée. Il y a certains propos qui ne sont pas acceptables de la part de ces regroupements-là. Mais il y a une remise en question qu'on doit faire au niveau de nos instances gouvernementales, c'est certain. Merci Ariane, merci James. J'ai l'impression que c'est un sujet qu'on va reparler dans la prochaine année. Ce débat ne fait que Il n'y commencer a pas dans de doute. d'autres Ben, c'est une pays. bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle Québec, on en parle de plus qu'on en en plus, en fait. parle, exactement. Merci James.